Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour une toute nouvelle vidéo de mon let's play sur Project Zero. Merde, je m'emmêle dans mes fenêtres, pof pof pof, dégage fenêtre à la merde. Au secours, je m'emmêle les pinceaux. Pardon. Alors, petite synchronisation, alors toute nouvelle vidéo, 9e si je me souviens bien, de mon let's play sur Project Zero 4. On commence, comme vous avez l'habitude, par une petite phase de synchronisation. Alors 3, 2, 1. Et ensuite 3, 2, 1. Et puis enfin, on va dans le menu charger partie. Hop, et voilà. Et si avec ces trois phases, j'arrive pas à synchroniser, je suis vraiment une merde. Alors, on voit que j'avais fini mes sauvegardes, donc phase 3, jour oublié, fin. Je crois qu'on avait fini, donc et bah, tout ce qui me reste à faire maintenant, ça va être et bah, voir la cinématique du début de la phase 4. Et déjà, je souhaite m'excuser parce que je vais peut-être manquer de skill. J'y ai pas joué au jeu depuis presque 3 semaines. Bah, en fait, pour tout vous dire, j'ai tourné les épisodes. Non, presque 4 semaines. J'ai tourné les épisodes, j'ai les 8 épisodes, je les ai mis en ligne et j'y ai pas joué depuis. Et sachant que les 8 ont été tournés avant que le premier soit en ligne, ça va faire 4 semaines que j'y ai pas joué même. Oh putain! Ça va même faire. Attendez. 1, 2, 3, 4. Non, ça va faire 4. Oh mon Dieu. Ouais, on rejoue avec le personnage, le deuxième personnage qu'on avait joué, Rika Minajiki. En même temps, je pense pas qu'on rejouera avec Madoka. C'est triste à dire, mais Madoka, je pense que elle est quand même légèrement morte. Y a un truc à ramasser. Par ici? Par ici, puf puf puf. C'est par là. C'est ici. Ouais, je l'ai. 10 cristaux. Oh bah si c'était que ça. Hein. Alors. On continue. Pouf, pouf, pouf. Petit truc. Pourquoi elle l'avait pas trouvé lors de son premier passage? Des cristaux rouges. Bon, d'accord. On va peut-être trouver plus de cristaux. Tant mieux, ça me permettrait d'améliorer un peu mon appareil. Oh mon Dieu, mais c'est vrai que dans cet appareil, tout est. Les trois. Oh mon Dieu. Ça c'est vrai, par contre, ça va être le truc qui va me poser problème, ça va être les trois appareils séparés. Je crois que je l'ai raté. Crois que je l'ai raté. Je crois que je vais repasser en type 7. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec elle? Parce que c'est bien beau ça. Mais bah c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Mais on est quand même un peu dans la merde. Parce qu'on a voulu retrouver Madoka. On l'a retrouvée. Mais ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Ah bah voilà, on a des pistes.
L'écran qui devient absolument dégueulasse. On la suit. À mort. Trop. Merde. Prends la photo. Raté. Dommage. Rapport quotidien. Aujourd'hui, nous avons expérimenté la musicothérapie de 12h à 17h en diffusant de la musique à travers l'hôpital. Nous avons à nouveau utilisé une partie du champ lunaire. Eh bah putain, c'est ça le champ lunaire, tu m'étonnes que les patients deviennent fous. À cette occasion, nous avons pu constater de fortes réactions inhabituelles chez certains patients, la plupart chez les enfants. La musicothérapie faisant toujours effet, les expériences devraient continuer. Nous pensons que les réactions constatées sont positives, mais nous ne pouvons en aucun cas l'affirmer au jour d'aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses déconcertantes au niveau du comportement des patients. Lors de la prochaine séance, soyez vigilante et préparez-vous à toute éventualité. Ah, ça bip. Voyons de la chambre 107 clignote Ayako. Salut. J'ai raté mon point. Je suis nul. Mais je suis nul. Mais attends, mais... Pourquoi? C'est bien pour prendre la photo pourtant. Ah bah je suis nul. Oh oh. Attends. Heureusement que je tombe sur un petit fantôme qui ne fait pas beaucoup de dégâts, salope. Mais tu vas te calmer, méchante. Attendez, on va essayer de se concentrer et de réussir le cliché fatal, parce que là, c'est quand même... Là, il y a un problème. Non, là, j'ai raté. Il y a une latence de malade, je sais pas pourquoi. C'est marrant, ça. Elle était pas là, la latence, avant, pourtant.
plus le son qui m'explose les oreilles. Bon, je n'ai réussi aucun cliché fatal, je suis super déçu, c'est une vraie merde, je viens de perdre mon oreillette. C'est une catastrophe. Je suis catastrophé. Au secours. Avis aux parties concernées. Demain à 18h se tiendra une réunion d'information. Je vais monter un peu. Fiu. Pardon, désolé, je viens de donner un coup dans le micro, je pense. Demain à 18h se tiendra une réunion d'information concernant les musiques expérimentales diffusées dans l'hôpital. Vous serez tenu informé de lui ultérieurement. Le responsable du premier étage du manoir a été prié d'apporter la partition laissée dans la pièce adjacente à la chambre 107. Ok. Chambre 107. Ayako. Ayako, c'est pas le boss qu'on avait eu avec Miyazaki? Je crois, si. L'espèce de taré qui se traînait une infirmière dans le couloir. Bon, déjà, chapitre 4, je pense que je vais me faire attaquer à tous les coins. C'est presque sûr même que je vais me faire attaquer à tous les coins. Ayako incitant à la suivre. Chez médical Ayako. Ayako, 12 ans, chambre 107. Le patient a des pertes de mémoire soudaines et fait preuve d'un manque notable d'éthique. Elle éprouve entre autres du plaisir à tuer. Je le savais que c'était une malade. L'ego de la patiente semble exclusivement voué à un comportement agressif. Pour le moment, il n'a pas montré le moindre attachement aux choses ou aux autres patients. Le syndrome du Jetsuyu évolue lentement, mais requiert ici une observation particulière. Des cristaux bleus. On continue à faire le tour de la pièce. Ah, c'est les bras qui me ralentissent. D'accord. Des roches miroirs. Les roches miroirs, en fait, c'est pratique. C'est des objets très pratiques. Ça fait que quand vous mourrez, ce qui risque de m'arriver si je continue à jouer aussi mal, en fait, vous mourrez pas. Pour ressusciter automatiquement avec avec toute votre vie. Ce qui peut être pratique et vous sauver la mise contre certains. Mais faut se méfier parce que, par exemple, dans le 2, qui est, je rappelle, le seul autre Project Zero que j'ai fait, dans le 2, certains boss pouvaient passer outre, ils vous touchaient, roche miroir ou pas, vous creviez. Ce qui est toujours sympathique. Salope de môme! Je te hais, la môme, de toute mon âme, salope. Ah, mon dieu. Est-ce que tu sais à quel point je te déteste? Dégage. Oh, tourne. Ouais, je crois que j'ai réussi. Dommage. On se barre, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Elle est près derrière.
Réussi. Sale pote. Putain, elle a failli me tuer la belle. La petite. Je crois que là, par contre, c'était dégâts obligatoires parce que je l'ai. S'il y avait moyen de l'éviter, quoi, lorsqu'on s'approchait du truc, je l'ai même pas vu venir. Donc l'éviter, je pense pas que c'était possible. Pas ce qu'il y a derrière, mais j'ai pas envie d'ouvrir. Non, mais non, mais non. Pourquoi tu te baisses pas? Je te déteste. Contrôle de merde. Pourquoi ils ont mis des cordes rouges au fait? À quoi ça sert ton corde? Ouh, partition de musique. Carnet noir. Carnet noir 1. Musique et mémoire sont intimement liés. J'ai vu quelques cas où certains souvenirs ont été retrouvés avec l'aide de la musique. Oh putain, je veux pas aller jouer cette partition, je veux pas aller jouer cette partition. Ce fut le cas d'une de mes patientes. Elle retrouva un de ses souvenirs en jouant du poney et continua à interpréter différents morceaux. C'est comme si elle pouvait toucher son moi intérieur avec la musique. Un jour, elle s'est mise à répéter le même morceau encore et encore, pardon. Elle répétait inlassablement sa mélodie en changeant petit à petit les gammes. Ce morceau de musique rejoignait peut-être des souvenirs profondément enfouis en elle. Étonnamment, son état s'est amélioré. Cependant, elle s'est suicidée après avoir retrouvé la mémoire. Génial! Ce fut un échec, mais ce qui est certain, c'est que la musique permet d'atteindre plus profondément une personne que les mots. Il y avait une musique similaire sur cette île. Je me rappelle vaguement l'avoir entendue étant enfant, et je pense que c'était un chant lunaire. Il existe divers chants lunaires, mais celui dont je me souviens était utilisé dans un rituel. La plupart sont de tradition orale, mais le chant linéaire original est écrit quelque part dans un document. Ce document est ce pourquoi je suis revenu. C'est qui a écrit ça? J'aime pas le bruit dans cette pièce. Vous avez entendu? J'ai monté un peu le son pour que vous entendiez. Dans l'autre, il y a des pleurs, ici, il y a des rires. Je rêve. Pièce de merde. Allez, direction la salle à manger, sans aucune forme de pitié. Je crois que le téléphone sonne. Téléphone, si je me souviens bien, il est en bas. Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring. Allô? J'entends toujours rien. Ah, j'entends.
Non, en fait, j'entends rien. C'est vraiment si j'entends quelque chose, c'est à peine un chuchotement. À un moment, j'ai cru entendre un souffle. Mais alors, c'est vraiment tout. En fait, ouais, il y a des sous-titres, mais heureusement parce que j'entends rien. Bon. Vous allez me dire, de toute façon, c'est en japonais. Il n'y aurait pas, y aurait que les sous-titres, aucune parole. Ce serait pareil pour toi. Oui, mais c'est pas une raison pour me le rappeler. Tout le monde peut pas parler japonais. Il y a un truc qui traîne ici, je sais pas quoi et je le veux. Un cristaux bleu, le début de la richesse. Wouhou! Trop fort. Putain, la fluidité de ce jeu sur Wii, c'est un truc de malade. Dès qu'il y a quelques effets du genre là, par exemple, la lumière qui était dans la lumière qui passait à travers la fenêtre. Pouh, chute de FPS. Youhou! Oh, il y a peut-être un truc dans le bureau. Oh, je crois qu'il y a un cadeau. Cadeau. Y a un truc. On fait gaffe à la main fantôme. Des cristaux bleus, encore. Salope! Moi, je suis fou, je viens de claquer tous mes cristaux dans un appareil photo, vous allez me dire. Rien à faire. Là, je suis fou. Je suis en mode fou. Attendez, au fait, il y a un truc. Putain, mais c'est ma... C'est qui le con qui a renversé du parfum sur ma Wiimote? Non, je suis désolé, ma Wiimote sent le parfum. Parfum à quoi là? Je suis incapable de le dire. Quoique si je faisais un petit effort, je serais peut-être capable de vous le dire, mais bon. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de me dire, il y a une odeur bizarre. Tu m'étonnes. Un petit tour dans la salle à manger, c'est toujours gratuit, ça fait toujours plaisir, et puis on va voir s'il n'y a pas des objets qui traînent, parce que dans ce manoir, il y a des objets qui apparaissent, qui disparaissent, qui réapparaissent, qui redisparaissent. C'est un truc de fou. Non, j'ai pas l'impression. Bon, bah donc, ce qu'on va faire, c'est... Il y a un objet par ici.
À moins que ce soit le piano l'objet. Attendez, la mélodie doit être c'est. Deux. Je te et je. Oh mon Dieu! Oh, faut aller en rythme en plus! Faut aller en rythme, bande d'enculés! Je vous hais. Tu prenais toujours l'ascenseur. Je vois pas à quoi ça va m'avancer, mais c'est pas. Il n'y avait pas un ascenseur à l'endroit où était Shushiro. Bon, je vois pas à quoi ça m'avance dans ce manoir, mais c'est pas grave. Toujours est-il que je vois qu'on approche de la demi-heure d'épisode, donc comme je sais pas quoi faire, et ben je vais vous quitter ici. Puis, bah ben, on cherchera quoi faire dans le prochain épisode. Donc là, on a bien avancé, on commence à retrouver ses souvenirs visiblement. Donc, bah, j'espère que ça continuera comme ça. Et puis moi, je vous dis donc à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo de mon Let's Play sur Project 04. Allez, à plus tout le monde!